السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسن من زيكسون. دونك مرحبا بكم في فيديو جديد وفي سلسلة جديدة. دونك هذه غتكون دونك مخصصة لو لونغاج اس كيو ال، دونك لونغاج سيكويل ولا اس كيو ال. دونك كل واحد كيفاش كي برونونسي هذيك لومو. دونك افون دو كومونسي ما نساوش عاوتاني نذكركم جيم سبسكرايب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، هادشي كيشجعنا بزاف باش نواصلو. Donc, cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire, c'est de découvrir le parti donc DDL, donc de langage SQL, donc parti DDL, c'est-à-dire Data Definition Language, c'est-à-dire le langage de définition des données, benzba le SQL. Donc, avant d'entamer hachi, on va faire le contexte DL. Donc maintenant avec les autres playlists, donc la première playlist les dernières c'était la playlist modèle conceptuel, on va trouver le lien ici. Donc on va des entités comme ça, l'entité qu'on a le nom et les attributs là, les champs. Donc peut-être qu'on associe l'association ici, donc on va trouver une autre une autre entité avec des champs là. Donc c'est ça le modèle entité association, c'est-à-dire le modèle conceptuel. Après le modèle conceptuel, donc il faut donc transformer ça au modèle relationnel, c'est-à-dire il faut travailler avec des relations. Donc par exemple il y a ici le nom, ici c'est produire, son ardo ici produit. Donc on se met au produit, et après ça on se met à deux clichons ici, il faut mettre entre parenthèses donc par exemple la référence dit le produit. Après ça donc nom produit, ok, golo on a les deux champs ici, donc il faut le mettre comme ça. Ou on se met à un strong par exemple strong avec le clé première dit le produit. Donc c'est comme ça. Donc c'est ça le modèle relationnel avec des relations, c'est comme ça. Donc les associations, il faut donc transformer une relation. Donc d'abord on travaille avec un modèle relationnel. On fait un le cas. Donc la dernière étape c'est que il faut le traduire avec SQL. Donc il faut le faire avec SQL parce qu'on a un dire partie pratique. Donc et interroger avec la base de données, créer une base de données et interroger avec la base de données. Donc c'est cette partie qu'on va faire maintenant. Donc had les relations, il faut les mettre dans le système de gestion, donc de gestion de base de données avec SGBD. C'est un système de gestion de base de données, bêche, de la création de la base de données et création des relations. Donc, c'est ça l'objectif de la partie. Donc, la première chose, on va faire une introduction, petite introduction. Donc, on va voir comment créer donc une schéma d'une base de données relationnelle qui fait créer une table, c'est-à-dire le schéma d'une relation, c'est-à-dire des relations. Après ça, comment modifier la table? Comment donc faire une structuration physique, et comme ça on va voir des exemples. Donc on commence par donc l'introduction. C'est quoi le langage Data Definition Language, le langage de définition des données. Donc c'est un sous-langage de SQL qui permet de créer des structures de données et de les modifier. Donc l'objectif c'est de créer des structures de données et les modifier après. Donc c'est ça l'objectif d'IEL, langage de définition de données, c'est de créer et modifier des structures de données. Et les structures de données, c'est-à-dire avec les relations, donc les renderons, ou là, une base de données en général. Donc, le langage SQL en général, c'est standardisé, mais les éditeurs de SGBD ont pris beaucoup de liberté. Qui fait on a des SGBD, il est original à des SGBD qui est par exemple Microsoft Server, c'est-à-dire Microsoft MySQL Server, qui est une PostgreSQL,
PostgreSQL et ainsi de suite. Donc, il y a bzzaf de SGBT, qui est Oracle et ainsi de suite. Donc, hado, waqt istamel le langage SQL, mais alors, ils ont pris de liberté pour faire des changements ou là pour ajouter des concepts. Donc, là, il y a des concepts non repris. Donc, par exemple, des concepts li kaynin f langage standard SQL, huma ma khdawhomch. Donc, ma darhomch f dak système dialhom. Ou kaynin d'autres concepts li ajoutawhom. Donc, tadirhom bsmitou à la tariqtehom. Donc, ou encore kayna wahed interprétation personnelle de certains concepts. Donc, kifash dir wahed l haja. Donc, koul wahed ghatlqa une requête ghatlqaha avec Microsoft Server, غديرها بواحد لا ميثود وخاصك تشانجي ضروري باش انك انها تخدم لك في بوستغري اس كي ال ولا في اوراكل. دونك سي سا ils ont pris de liberté pour changer. دونك هنا انت غتتعلم هادشي اللي غنشوفوه هنا في هاد البلاي ليست ديال اس كي ال. دونك غتشوفو وغتفهمو اي ابري ملي تبغي تخدم avec une base de données غتشوف اش من اس جي بي دي غتخدم بها، واش مايكروسوفت سيرفر ولا ماي اس كي اي بوستغريس اس كي ال ولا اوراكل ولا ماي اس كي ال ان جي ان سي دو سويت. دونك هادو اون فوا تكون عارف اش من اس جي بي دي تماك تمشي تقلب واش كاينين هاد لي كونسيبت اديسيونيل وتتعلمهم حتى هما ولا دي زانتربريتاسيون بيرسونيل خاصك تتعلمهم. دونك باش تدير هذيك الروكيت sous la norme d'IAL avec le SGBT. Donc c'est ça. Donc maintenant on va voir les opérations qu'on va faire avec le langage de définition de données. Donc c'est la création, la première c'est la création du schéma, d'un schéma de base de données relationnelle. Là on doit faire le vidéo net la fin. Donc la création d'une table. Donc voilà, création d'une table, c'est-à-dire des relations. Donc, بالنسبه لهاد لي طابل il faut spécifier les colons, c'est obligatoire. Donc on peut encore créer des domaines. Donc فهادوك les créations ديال la relation il faut spécifier les identifiants primaires, les clés étrangères aussi, c'est-à-dire ici c'est clé primaire. On peut aussi faire la suppression d'une table. Et on peut encore faire ce ajout, suppression, modification d'une colonne. Donc, et aussi, on peut faire l'ajout, suppression d'une contrainte. À deux les contraintes d'intégrité qu'on a vu, par exemple. Donc, la création d'un schéma de base de données relationnelle. Donc, ici, c'est base de données, schéma de base de données relationnelle. Donc, Adna, ici, exemple de schéma de base de données relationnelle. Adna. Trois relations. Nous sommes par exemple Zixon Shop, abrégé ZZ Shop. Donc, on a les trois relations. Les je venais déjà fait l'autre playlist, dit le modèle relationnel. Ok, c'est la même chose, ou l'algèbre relationnelle. Donc, c'est ça le schéma qu'on a vu. Donc, si on veut créer une base de données qui porte le nom ZZ Shop, il faut faire comme ça, création d'un schéma base de données relationnelle. Il faut faire create schema. Ou là, tu mets le nom d'IAL, le nom d'IAL, la base de données d'IAL, ou tu mets le point virgule à la fin. Donc c'est ça, create schema, et ainsi de suite, on fait ici le nom. Donc le nom, il faut le mettre dans la partie. Donc ça change. Ou ça, il faut toujours créer schéma. On a un schéma d'IAL. Donc, je fais un exemple concret avec Microsoft Server. Ok. Donc, avec Microsoft Server, on peut faire le test. Donc, si on a ici Microsoft Server, donc MySQL Workbench, donc on peut créer un schéma, les lancer au donc à de l'application d'IAL. Smito had le workbench qui va faciliter le travail, l'accès à l'SGBD. Donc ici pour créer un schéma, create new schema, tu cliques sur le Smito. New schema, Smito a par exemple ZZ Shop. Donc les rangs créés, tu joues ici, tu dis apply, donc dire OK, tu as atteint. Avec le
سميتو هذيك لا لين يكون نافي دونك كرييت سكيما وهنا سي لو نوم دو نوتر شيما سي اون شين دو كاركتير تنديرو اونتر هاد لي غيومي دونك ولا لي ابوستروف دونك تنديرو زيد زيد شوب دونك ملي نديرو ابلاي دونك يل فا كريي دونك il sait il y a une erreur there was an error donc en tout cas on cherche après l'erreur c'est quoi l'erreur mais les renderons c'est mieux il y a mais erreur donc le base données va être ajouté ici donc quand on a là le base données ici donc par exemple quand on crée cette base données d'iel base de données souk par exemple on peut ajouter après des tables c'est-à-dire des relations un dit client donc un dit ici client fait des colonnes d'ielo fait l'ID, nom, prénom, adresse et ainsi de suite. Ou je peux encore créer de commandes, une table commande, table utilisateur et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça on fait une la création d'une schéma de base de données. Donc, create schema, ou ici il faut mettre le nom de votre base de données entre apostrophe. Ou la guillemets. Ok, apostrophe. Donc, c'est ça. Pour cette vidéo, mettez par le bouhad jim, subscribe ou partagez ma sahabkom. Donc, on te laisse la vidéo, mais je vous la suite du SQL partie Data Definition Language.